sais, ils font tout le temps des bonbons là, en forme de pizza, de burger et tout. Ils ont jamais fait des bonbons genre de personne. Genre, tu sais, un bonbon rappeur par exemple. Tu Ouais, mangerais qui ça. si c'était un rappeur, un bonbon? Je pense les Uzi Vert, mec. Dites-nous quel bonbon rappeur vous aimeriez manger. Comment ça va? Ça dit quoi? Ça va? Tranquille ou quoi? Mais grave. Ouais, ça veut pas manger des bonbons Youfdi, hein. Ça dit Mais l'Uzi si, vert c'est comme ça. vrai, c'est vrai. Wesh, les gars, moi je suis sur le dossier. Attends, mais moi je suis à fond pour les bonbons Youfdi. Vas-y, t'inquiète. Ça va sortir ou pas? J'ai un pull-up là, vous m'avez donné l'idée là. Let's go, on va contacter Haribo. Allez, Fanzine let's go. numéro 1 sur le merchandising. Comment ça va Youfdi? Bien quoi? Écoute, c'est un plaisir de te recevoir. Bien vu, mon ref. Je te présente. Ça va? Sicole, à la prod. On se sait, on se sait. L'homme souriant, Chris. Ouais. Ah, l'homme souriant, c'est clair. Écoute, en ces périodes de fête, on a décidé de faire un fanzine un peu particulier. Ouais. Où en fait, on va faire l'émission à l'envers. Ok. Alors, on te fait un cadeau. On commence par ce que tu veux. Let's go. Vas-y, je vais faire mon son de toi. Hein. Pour moi, de toi. De toi? T'as capté. Et si on faisait une version explosive de Noël? Vas-y, je te sens bien me découper un truc là. Ouais, Un on va truc un faire peu ça. brutal. C'est parti. Let's go. Pas la batte, je m'emmerde, c'est la cata. Trop de boulot, je suis comme Atlas, porte l'univers avec deux bras. Je suis dans le fils de mon papa, tant qu'on est debout pour nous, ça va. Je commence à me visquer des assas, c'est plus autant mon tel qu'avant. Je remets beaucoup en cause, car la vie m'accuse, qui entre deux chaises depuis mon enfance. Mais je dois le faire, y aller d'office, être millionnaire, comme sur Dofus. C'est pas la même, et là tu t'en rends compte. J'arrive ici, je suis le cœur des raquettes. Est-ce bien le hasard si on se rencontre? Ou bien c'est l'argent qui a tout provoqué? Hey, tout ça petit, j'en avais rêvé, c'est mon devoir. Partout où tu vas, je veux te suivre, emmène-moi. Plus de sentiments, plus de reflets dans le miroir. J'en demandais pas tant, je voulais un peu de toi. Un peu de toi, un peu pour moi. J't'accorde un peu de temps, après tu décampes, on a un peu de main. Un peu de toi, un peu pour moi. J't'accorde un peu de temps, après tu décampes, on a un peu de main. Un peu de toi, un peu pour moi. Un peu de toi. Bla 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 dans ma tête, la vie d'adulte me traumatise. Y'a ma voix mais je suis pas dans la fête. Plein d'alcool mais je suis pas dans la tease. Sale 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 sont les tièges. J'entends stay 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 dans la street. Arrête ces histoires de comédienne. Parce pourquoi tu viens là tu fais la crise. Peux pas partir sans laisser de traces. C'est tout ça me stresse. J'ai pas la maîtrise. Je suis dans l'excès. Si je suis là c'est grâce à ma déterre. Mais mes défauts viennent à parasiter. On prend les sous on repart aussitôt. Et je continue fallait pas m'insulter. On se verra plus tard mamacita. Je dois bosser pour la réussite. Yes sir! Hey, la guitare là, elle arrache les gars. Tu mets voilà. le feu direct dans l'émission. Ah, non, c'est vous avez tué ça là, les Attends, gars. Attends, la température. Je suis obligé. La température, elle a monté de fou là. Franchement, les gars, limite j'aurais dû sortir une version comme As. En vrai, tu vois quoi. Non, franchement, lourd de ouf, j'ai kiffé. Écoute, on va essayer de faire ça pendant toute l'émission. J'espère. Envoyez que des trucs lourds. Let's go. Alors, du coup, on veut tout savoir sur toi. Ouais. C'est quoi ton premier rapport à la musique? Comment j'en viens? Je pense déjà basique, les darons. Hein. Ouais. Tu vois, mon père, ma daronne, ça veut dire qu'il me faisait déjà écouter un peu de tout. Beaucoup de carrière à l'époque. Et après, je me suis forgé moi-même, hein, t'as vu. Quel genre de musique ils écoutaient? Mon daron, c'était toute la vibe. C'est lui qui m'a mis dans toute la vibe. Lil Wayne, Rick Ross, DJ Khaled. Parce que lui, il écoutait beaucoup de Snoop, tout ça, Tupac à l'époque. Ouais. Et il a jamais lâché, en gros, de traquer les petits sons sur les sites de mixtape. Du coup, moi, j'écoutais que ça, vu que c'était mon seul moyen d'écouter du son, en vrai. Du coup, s'il est passé de Tupac à Lil Wayne, ça veut dire qu'en fait, il a jamais lâché, qu'il a jamais ah, dit non, c'était mieux avant, etc. Quoi. Ah non, il est toujours dessus, t'as vu. Carrément, c'est lui, il me fait découvrir des sons encore et tout aujourd'hui, genre... Waouh, incroyable. Le poteau, il est là, tu vois. T'as capté. Et comment tu te dis, je veux faire de la musique dans ma vie? Moi, en vrai, de vrai... T'as vu, je me le suis jamais dit. Jamais. À la base, je pensais d'ailleurs que je pourrais jamais rien faire de ma voix. Donc finalement, j'ai dû avoir un petit déclic. J'ai kiffé toute la vague de rap un peu sur Paris à un moment. J'ai kiffé Stromae aussi.
qui m'a fait accepter un peu la langue française. Et un jour, je sais pas, je me suis dit, vas-y, je vais tester, pour rigoler. Hein. Au lycée, une heure de perm, mon prof, il aurait été là, bah, je serais pas là aujourd'hui, au final, tu vois. Ah ouais, d'accord. Vrai, ça commence sur une heure de perm, alors. T'as capté. Et tu crées l'ordre du périph? C'est à ce moment-là que ça se crée, l'ordre du périph? Non, il y a genre quelques mois de battement, genre 6 mois, le temps que je rôde un peu ce qui se passe sur Internet. Il y a du monde qui rappe finalement, vu que tu vois, je devais avoir 17 ans, mais à cette époque-là, je croyais que personne rappait, tu vois, j'étais dans mon quartier, je me disais, à part 2-3 loups ici, personne fait du son, tu vois. Et après, voilà, j'ai fait OTP, ouais, peut-être un an après. Je suis monté à Paname, fallait que je forme l'équipage, tu vois. D'accord. Donc j'ai fait 2-3 open mic, j'ai rencontré des bougs, et de fil en aiguille, voilà. L'équipage, mais je sens que tout ça, ça ressemble vraiment à du One Piece, tout mais ça. Tu le sais. Ouais, je le sais, ouais, je crois tu que j'ai sais. Bien compris ça. Et donc, dans toute cette ouverture et avec tout ce qui t'est arrivé, ouais. Si on devait te trouver un morceau qui t'a donné envie de faire de la musique. En vrai, j'écoutais beaucoup de Kid Cudi. La légende. Tu vois. Et un son que j'écoutais de ouf, ça s'appelait Teleport to Me, à l'époque de Wizard. Ouais, tu sais que c'est petite anecdote. Il allait monter son projet Wizard. Et ouais. En fait, moi, j'étais à Los Angeles à ce moment-là en train d'enregistrer un album. Ah ouais. Et je suis à la Guitar Center. Tu l'as croisé? Ouais. En fait, il a acheté sa guitare. On a testé les guitares ensemble. Ok. Et c'est la guitare qu'on retrouve dans le clip de ce morceau-là. De celui-là, là? Ouais. Putain de bar. Ouais, une Flying V. Belle anecdote. Alors, est-ce qu'on lui rendrait pas hommage en lui faisant une petite cover en 2020? Je suis grave chaud. Après, on va se tester à l'anglais. On va voir ce que ça dit. C'est la première fois que tu rappes en anglais? Ouais, première. Première fois que je fais une reprise aussi. Ah, waouh! Fanzine, c'est une aventure formidable. Tu connais, c'est pour les frérots. Ouais. Getting in from the airport. You're getting in from your study group. The only thing missing at this point is bonafide chilling time with you. I can't stand the time when I'm alone at night and I feel your side of the bed and it's cold. I'm wide awake, I don't know the time, cause I'm too busy texting you on my phone. Say, I want you, girl, and I need your body right here. Won't you turn up on to me? I want you, girl, and I need your body right here. Won't you turn up on to me? I want you, girl. Première reprise, sympa, en anglais sympa. En plus, incroyable, trop chaud. Incroyable, incroyable. En vrai, je me suis senti grave dedans. C'est normal, mec. J'aurais kiffé l'écrire, mais putain, j'avoue, la langue anglaise, ça compliqué. Se voit que ça fait longtemps que tu l'écoutes, cette chanson. Bah ouais, ouais, franchement, elle est restée dans ma tête toute ma vie, en vrai. Bah ouais, c'est un peu la BO de ta vie. Ouais, la BO de ma vie, je sais pas. S'il y avait un film sur Youfd, est-ce que tu la mettrais en générique de fin? Non, je mettrai un son que j'ai fait. Ouais. L'assassin. L'assassin. Mais en vrai, j'adorerais écrire un morceau comme ça un jour. En anglais ou en français? En français, en vrai, j'ai pas trop envie de me tenter à écrire en anglais pour l'instant. Ouais. Un morceau un peu deep, donc? Ouais, fait, toutes les vibes, c'est bien, j'aimerais bien tester toutes sortes de délires. En vrai, c'est ce qui est intéressant dans le son. Et surtout le genre de son comme ça que t'écoutais de ouf et qui t'ont rendu fou toute une vie. T'as toujours envie de pouvoir procurer aussi. Ne serait-ce qu'un pour cent de cette émotion à des gens-là, tu vois. Grave. Et du coup, toi, t'écris des morceaux un peu personnels? Ouais, j'en écris. Tu connais, en vrai. Est-ce qu'il y a un morceau qui est vraiment très personnel? C'est quoi ton morceau le plus personnel? Le plus personnel, en vrai, je saurais pas te dire, vu que j'en ai fait un tas, à mon avis.
dans cette vibe, mais j'ai sorti un truc Planète Mars il y a pas très longtemps. Et il y avait un son autour du monde que les gens kiffaient bien, parce que je parle un peu de moi. Tu te livres un peu? Bah, je pense que je me livre tout le temps en fait, tu vois. C'est-à-dire, je peux pas dire que je me livre plus dans tel ou tel morceau, mais peut-être que des fois je le fais. Moi, pour moi, c'est toujours pareil. J'écris, tu vois, et après on voit ce qui sort. Et si on faisait une version deep de ce morceau? Vas-y, hein, c'est mon son, il s'appelle Tour du Monde. C'était vraiment une vibe aérienne de ouf, mais je suis sûr qu'on peut la transformer en quelque chose de lourd. Vas-y, c'est parti. Let's go. En France, ici. La tête, s'enfuir de la tête, je dois quitter la team, terminer la quête, je dois viser le top, pas baisser la tête, et vivre mes idées, vivre mes rêves, j'ai visé la lune et je suis parti de rien. Des fois je pensais que j'étais fait comme un rat, la monnaie d'abord elle s'en bat les reins, mais je suis pas à l'aise devant les caméras, attendre les hommes et monter les hommes, je suis sur la scène, ma voix résonne, je suis pas comme eux, moi je suis pas les autres, ouais j'hallucine, ça me désole, tu fais du cinéma, mais bon décidément, je suis pas la musique facile que font ces humains, moi j'ai un univers, un dessin animé, force à ceux qui sont là depuis la saison 1. Faire la moula plus barré. Se barrer. Pitasse, faut pas comparer. Barrer. J't'éclate, j'en fume tout Paris. Nulle part, j'me sens dans ma rue. J'voulais me barrer, faire le tour du monde. Des fois j'y pense à chaque seconde. Voulais me barrer faire le tour du monde. Des fois j'y pense à chaque seconde. Voulais me barrer faire le tour du monde. Des fois j'y pense à chaque seconde. Yeah, voulais me barrer faire le tour du monde. Des fois j'y pense à chaque seconde. Yeah. Mec, t'es une rockstar. Non, c'est vous. Hey, les gars. Non, mais attends. Faut qu'on fasse un concert ensemble. Hein. Gros, moi, je suis fanatique de cet endroit-là. Il y a trop de guitares. Je vais revenir ici, les gars. Je vais revenir jobber ici, là. Il faut... Non, franchement, hardcore l'astru. Mais alors, moi, je veux tout comprendre, là. Parce que tu me parlais de Tupac, tu me parles de Lil Wayne, tu m'as parlé de Cudi, de plein de choses. Attends, le rock dans tout ça. Ouais. Ça vient d'où là ce truc? Parce que moi j'ai entendu hein, tes sons. Hein. Ouais. T'es un rocker en fait. C'était juste de la recherche finalement. Parce que j'ai toujours kiffé ça. Je connais au collège. C'est plutôt hétéroclite. Ça veut dire que je peux autant entraîner avec les gothiques qu'avec avec les autres, tu vois. Moi j'étais un peu partout et je me prenais toutes les vibes. Et un truc, c'est les mangas. Ah ouais? Les mangas, c'est rock. Ouais, c'est rock. Chaque opening, chaque ceci. Je pense que c'est ça qui m'a fait vraiment kiffer ça au début. Avant de passer par les Sum 41, les Red Hot, tout ça, ouais. Tu vois, tous les Metallica. Avant de passer par tout ça, moi, je me suis pris la vague manga. Et c'est ça qui m'a plongé en vrai dans le rock. Tu vois, des mecs comme T-Pain aussi et Lil Wayne. Ouais, ils ont fait du rock aussi. Ils ont eu une grosse période où ils étaient à fond dans ça. Et après, j'ai suivi. Hein. J'ai continué avec les Quinry, il y a des bails de Zilla Camille, des Scarlord. Enfin, ça a toujours continué d'évoluer là-bas, même tu revois encore aujourd'hui avec Machine Gun Kelly. Avec les XXX, Lil Peep, etc. Ouais. Il y a eu un moment où on savait plus ce que c'était, ni du rap, ni du rock, en fait, que c'était genre... Ils ont tout mélangé. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que c'est devenu naturel. Ouais. C'est comme si c'était un nouveau style qui popait, quoi. En vrai, pour moi, c'est un style sans style, finalement. Ouais. Autant pouvoir faire un petit son calme, que se dire, vas-y, là, j'ai envie de gueuler sur une grosse guitare. Puisqu'au final, on est tous des synthèses, c'est la génération aussi, tu vois. Ouais, grave. C'est cette époque où tu t'es tout pris, autant dans la culture que dans la musique en général. Ça veut dire ça passe par tellement de choses, les films, les mangas, les ceci. J'écoute de la musique russe, c'est bah une ouais, synthèse mais non, de ouais, trop de choses maintenant. Bien sûr. Sur ça, je me dis le rap et le rock, au final... C'est vrai que pendant longtemps, il y a eu une scission entre les deux, comme s'il y avait un monde énorme entre les deux. Et finalement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est ou un rappeur avec une esthétique rock, ou l'inverse, en fait. Je pars du rap. Mais j'adore le rock, donc c'est aussi une histoire de temps et d'engranger des compétences aussi dans la musique. En fait, j'aimerais passer par toutes ces étapes, partir du rap, passer par le rock tout en gardant l'identité que j'avais et finir sur un truc encore plus,
encore plus pop, tu vois ouais. ce que je veux dire. Et moi, c'est... je kifferais pouvoir faire comme Lil Wayne, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. Ils faisaient tout ce qu'ils voulaient, et c'est ça la musique. Si je devais faire que du rap depuis le début, c'est-à-dire pas essayer les trucs un peu que je vous avais déjà fait entendre et tout, j'aurais jamais pu les faire. Non, non, clairement. Tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, ouais. Genre, c'est vraiment une histoire d'évolution et d'enjaillement aussi. Je teste un nouveau truc, une nouvelle voix, un nouveau ceci. Moi, je charge grave du son comme ça. En fait. Qu'est-ce que t'écoutes aujourd'hui? Je peux autant écouter... En ce moment, je suis en mode russe, je t'ai dit. Ah ouais? En ce moment-là, je suis en mode russe, mais je pourrais même pas citer le nom des artistes. À part un, il s'appelle Sacha. Mais sinon, t'as vu, les sons, ils défilent sur mon ordi et je les remets tout le temps. En fait, t'es un digger, quoi. Ouais, moi, de ouf. Tu vas chercher des trucs loin, quoi. À mort. Mais je tombe dessus par hasard, puisque je me lasse pas vite des sons que j'écoute, mais j'ai tout le temps besoin d'en découvrir. Ouais. Tu vois. De toute façon, depuis le début de l'émission, t'as cité tellement de groupes différents. Et moi, c'est ça que j'adore dans la musique, c'est le côté infini de la chose, finalement. Tu vois. Bah, c'est surtout ce que moi, je trouve incroyable chez toi, c'est ta curiosité, en fait. J'ai envie d'apprendre la guitare et tout. Pour l'instant, je suis pas très bon, mais t'as capté, je veux... Faut qu'on se donne une date, où on se donne rendez-vous, et tu sauras jouer de la guitare. Mais moi, je t'ai dit, je compte sur vous, les gars. Les mecs, là, je vous ai dit, let's go. Nickel. Et alors, qu'est-ce que t'écoutes en boucle aujourd'hui? En vrai, là, ces temps-ci, je me suis beaucoup rebuté à les sons de Damso, parce que c'est l'un des rares qui m'a vraiment, vraiment marqué quand j'étais plus jeune et encore aujourd'hui, tu vois. Et Mosaïque Solitaire, j'avoue, c'est un son, je pourrais toujours me le pull-up. Il est incroyable. Celui-là, avec Exutoire, c'est vraiment les deux sons que je me ponce à mort. Tu les écoutes dans quel genre de moment? J'ai pas de moment, justement, en fait. Ouais. Ça peut être un mood particulier, mais chaque mood est particulier, finalement, tu vois. Donc, c'est un vrai... de tes classiques, quoi. Ouais, c'est ça. C'est les morceaux que t'écoutes n'importe quand. Ouais, de ouf. Et si on faisait un petit hommage à Damso? Allez, let's go. C'est parti. On peut s'y risquer. On s'y risque. Je suis chaud. En français, demandez pas ce que je fais dans la vie. Si sinon vous serez pris de panique. Quelques parlons de toute compagnie. Batterie fait m'a fait perdre beaucoup d'amis. Me serre pas la main, fais-moi un vie. J'attends la mort comme un ghost et manie. Mais ça c'est tout, sinon on fera des manies. Elle manquera de respect à ta famille. Une seule erreur et t'as plus de followers. Donc je fais ce que j'aime et non pas ce qu'on me dit. J'suis toujours debout au tomber des nuits. Vu du ciel, l'enfer est comme le paradis. Crève dans ta mère, t'auras pas un radis. C'est à peu près ce que le daron m'a dit. Heureusement gros cul ont su consoler. Dès leur touche, je me suis empoisonné. J'ai picolé, j'ai bu oui. J'perds la raison à cause de mes torts. C'est ça fait toujours bosser la nuit. J'fume de trop, j'suis plus de sport. C'est pas très bon, m'a dit coach Ellie. Trop dans la soute, à peine j'atterris. J'roule un zoubi, oh oui. Ils ne me veulent pas du bien. Ils ne me veulent pas du bien. Il faut bonhomme de neige. J'ai fait bonhomme de chemin. Ils ne me veulent pas du bien. Ils ne me veulent pas du bien. J'suis sorti de la dèche. Viens rosé comme chèque de tchou. Fiancé à la vulgarité. J'ai renoncé à la précarité. J'ai mis mes chances dans le barillet. Sans jamais m'arrêter. Rose marche, tu veux qualité. Rose t'as sa mentalité. Plus de sable dans le sablier. Plus de place dans le paradise. Comme solitaire. Chiii. Je pense qu'on peut tous applaudir. Merci à vous, mec. Les gars. Merci pour tout. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est quoi la suite de Youfdi? Qu'est-ce qu'on doit attendre là? Parce que moi, j'attends. C'est le moment teasing là. Ouais. En vrai, là, on est sur le début. On va commencer à drop les premiers extraits. Mais la vie de luxe, ouais, ça doit arriver. Donc 2021. Ouais, je pense 2021. J'espère au début de l'année. Pour moi, 2021, ça va être l'année Youfdi. Ouais, je sais pas. On espère. Hein. Ouais. Nous toujours hope. Hein. De toute façon, ils vont rouvrir sur la machine à voyager dans le temps. Exact. Nous, on est dans ça à mort. De toute façon, t'es le bienvenu quand tu veux. T'as ta carte de bon client. Ouais. Bah ouais, évidemment. C'est vrai. Bah évidemment. Oui. Chris, tu boostes tous les jours. Alright, non, bienvenue à vous les gars en tout cas. Tu sais qu'à chaque fois qu'on termine une émission ici, on a un petit challenge. C'est quoi? C'est le pas de danse. Ouais. Je suis mort de ouf. Je vous disais, mais ouais, je suis nouveau le robot. Là, en fait, Débarque, ça va comment ça? Alors comme dans toutes les émissions, on va te demander la même chose qu'aux autres.
Ouais. Est-ce que t'as un petit pas de danse à nous apprendre pour qu'on brille en soirée? Un pas de danse, mais les gars. Vous voyez bien, moi, je suis le gars capuché dans le coin de la pièce. Clairement. Tu vois? Chacun son style, mais je suis sûr que même le gars capuché au fond de la pièce, il a un petit truc à dire. Non, j'avoue, j'ai pas trop de pas de danse, surtout cette année. J'ai pas trop été inspiré. Hein. J'ai que du secouage de tête, là, les gars, j'avoue. Secouons nos têtes ensemble. T'as capté ou pas? Ouais. Ça marche, hein? Oh là 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 là, mais ça cartonne, mec! Oh, aïe 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 aïe! J'ai l'impression d'être Chief Keef dans le salon, là! Oh là là! On va pas encore les faire, là? Ah, les bâtards! On est à Chirac, là, ou quoi? Oh, les galères! Merci! C'était la dernière émission de l'année. On a fait plein d'artistes, tous aussi exceptionnels les uns que les autres. On espère qu'on vous a régalé. On remercie toute notre équipe, oui, sans qui on n'aurait rien fait du tout. On vous souhaite de bonnes fêtes. On espère vous revoir en 2021. Et on espère que vous allez tous vous abonner à la chaîne parce qu'on va revenir très vite.